Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue, bienvenue pour Lance Foot saison 3. Bienvenue dans l'univers Lance Foot, les amis, vous le savez. Ici, c'est Zéro Langue de Bois, l'émission 100% Racing Club de Lens. Tout ce qui devrait être dit sera dit. Vous nous avez extrêmement manqué, même si c'est vrai que pour tous les grands fidèles, vous nous avez suivis tout au long de l'été pour Flash Mercato. Le Lens Foot, le débrief, forcément, ça nous a manqué. Retour au terrain, retour donc tous les lundis pour le débrief des matchs du Racing Club de Lens avec, vous avez vu, un nouvel horaire, 19h30. Voilà, on vient un petit peu plus tôt. C'est un peu plus l'heure de l'apéro que l'heure de la soupe. Donc, ça nous convient beaucoup plus. Nouvelle saison. Nouvelle saison qui va démarrer dans quelques secondes avec la Dream Team. Déjà, je tiens à saluer tous les supporters là qui sont là, qui se connectent. Vous êtes déjà très nombreux à attendre le début, le coup d'envoi de cette saison 3 de Lens Foot. Eh bien, vous pouvez réagir comme d'habitude avec vos commentaires sur YouTube, sur Facebook, lensois.com, Facebook, bien évidemment Lens Foot et la chaîne Twitch de Lens Foot qui est nouvelle hein, depuis quelques semaines. Alors, on va accueillir la Dream Team pour ce débrief. Déjà, bah attendez, hey, priorité aux dames. Héloïse de Mester de lensois.com. Ça va, Hélo? Bon, ça va, la forme, et toi? Bah ça va, c'est parti. T'es prête pour la saison 3? Au taquet. Bon, est-ce qu'il est prêt? Bon, lui, il est toujours prêt. Le boss, Jean-Guy Wallem. Jean-Guy, on voit. Ah, voilà, on te voyait moins bien. Ça va? Bah écoute, dans ma chambre d'hôtel, pas trouvé de logement encore sur Paris, donc. Eh ouais, parce que Jean-Guy Wallem, pour ceux qui vivent dans une caverne et qui n'ont pas eu l'info, Jean-Guy Wallem est devenu le coach de Paris Athletico 13, qui vient de monter en National 1, donc la troisième division française, entre guillemets. Et vous avez joué Lens, là? On a joué les gamins, ouais, qui nous ont baladé un peu. Bon, on était au Portugal, on est revenu et on avait une équipe bis, entre guillemets, mais j'ai vu que la réserve était de qualité, donc il y a des gosses derrière qui vont pousser les pros, donc c'est bien dans le rétroviseur. Voilà. Ça c'est bien. Il est là, bien évidemment, Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Salut mon Sylvain. Salut, je suis prêt. Ah, la petite ardoise. Vous allez. Oui. Ceux qui nous regardent, vous allez comprendre pourquoi il a une petite ardoise avec Riley. Voilà, ça fait partie des petites nouveautés comme ça qu'on a mis en place pour cette saison. Il ouloule. Ah bah attends, des moyens. Une craie et une ardoise. Voilà, c'est bien ça. C'est compliqué d'accéder à la marraine, mais c'est ça se bouscule au portillon pour sponsoriser Lens Foot, donc on a des gros salaires et on est au niveau. Le beau gosse de l'émission, il est où? Bah il est là. Alors lui, lui je venais aujourd'hui. Hein. Oh là. Et lui, je vais vous dire, t'es où? T'es dans le sud ou quoi, là? Franck Queudru. On t'entend pas, ça commence très bien. Et Lens Foot saison 3, ça commence très fort. Ah, ça commence bien, ça part sur de bonnes bases. Allez, règle ton son, tu nous parleras après. Hein. Je vais vous dire, ça commence fort. Vous réagissez, bien évidemment, les commentaires. Vous balancez vos commentaires. On va donc démarrer cette saison 3 Lens Foot, les amis, avec le débrief de ce match. Racing Club de Lens, Brest. Allez, là, je vais vous dire, on a un gros. On a une grosse production. Là, il n'y a aucun jingle qui marche et le générique est parti en cacahuète. Hein, dans la manière. Bravo! Bravo les producteurs. Bon, on y va donc pour ce débrief, les copains. Racing Club de Lens, Brest. Voilà, avant, on a Mister Juju qui fait Franck est en vacances dans la voiture. Ouais. Est-ce qu'on t'entend, Franck? Il configure. Ah, on t'entend toujours pas. Bah, continue de configurer, hein, puis on s'appelle demain. Voilà. Configure, mon poteau, configure. Au pire. Figure de con, oui. Pas répondre là, oui, ce soir, donc c'est impeccable. Et Sylvie qui dit carton rouge pour Franck. Ouais, carton rouge, Francky, il frôle le carton rouge. Hein. Déconnecte-toi, Franck, reconnecte-toi. Voilà, et tu reviens nous voir dans un instant, sinon tu peux aller boire une bière. Hein. Franck longtemps qu'il est déconnecté, ma perle. Ouais, je te le dis. Franck est en mode mime Marceau, c'est Openda. Openda 1974, c'est sur Twitch. On salue tous les Twitch-tos. Qui nous regarde là
de la famille. Bon, on y va, les amis. Lens-Brest. Donc, c'est parti pour ce débrief. On va commencer. Moi, j'ai envie de commencer directement par l'homme du match. Eh oui, l'homme du match. Élu par les supporters sur lensois.com, qui d'autre que Florian Sotoka. Il a été élu, alors 87,37% des voix sur lensois.com, donc c'est Sotoka. Ensuite arrive Openda, Samba, avec un petit peu plus de 2%. Soirée folle hein, pour Flo Sotoka, 3 buts inscrits, un pénalty raté. On peut dire que déjà c'est une première depuis 2010 pour un Lensois. C'est Maolida qui en avril 2010 avait marqué un triplé face à Boulogne. 6 buts, 3 passes cette saison, meilleur buteur européen actuel. Pas la classe ça pour Flo Sotoka, sans déconner. C'est juste énorme. Attendez, c'est Franck. Franck, c'est une catastrophe. Alors attends. On va. Virez-moi Francky. Je vous emmerde. Ça y est. Bon, Cyril, c'est cassé, c'est bien. Bon, on est mieux sans Cyril quand même. Bon, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas, ça. Vous entendez un écho? Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. C'est une catastrophe. Et c'est Francky qui est venu. Bon, alors attendez. Ah, là, ça marche. Ah, c'est bon, on touche plus. Ah, bah non, ça marche plus. Alors, en fait, il faut que je mette sur mute. Ah ouais. Mais tu sais pourquoi? Franck, il te faut un kick main libre. Parce que sinon, ça fait haut-parleur. Coupe ton micro. Ouais. Ah, comme par hasard, ça marche là. En fait, ça va mieux quand Franck se tait, quoi. Non, mais c'est une catastrophe. Hey, Franck, on dirait qu'il se prépare à faire une pub pour Cardlas. Bon, Franck, trouve des oreillettes, mon poulet. Il te faut des oreillettes. Parce que regarde, si on met du son. Voilà, c'est pas possible. Je vais trouver où les oreillettes. Bon, alors tu sais quoi, on va essayer de te faire parler tout à l'heure. Bon, non, mais c'est juste pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, mon Francky. Écoute, reste là et je te ferai simplement parler tout à l'heure pour l'arbitrage. Et après, je te libère. Parce que sinon, on va pas avancer. Bon, les amis, Jean-Guy, Flo Sotoka, soirée de rêve ouais, pour Flo. C'était la Saint Sotoka, en effet. 3 buts en plus, différents, avec, bon, tu l'as dit, un penalty. Raté, mais les 3 buts sont complètement différents. Sur le premier, bon, il a la finition, mais il a aussi la préparation parce qu'il est en point de fixation et derrière il suit. Bon, le dernier, il est extraordinaire parce que il fait un super appel, un super contrôle orienté et il enchaîne. Donc moi, c'est au-delà de sa performance, c'est la progression de ce garçon sur peut-être les matchs de préparation que j'ai pas vu ou par rapport à la saison dernière où on pensait qu'il était encore un peu rustre techniquement. Et là, il a sur les 3 buts, c'est un panel très intéressant et je pense que son acquis aujourd'hui, c'est qu'il est un peu plus près que les autres et le début de saison, l'entame de saison est souvent propice aux garçons qui sont beaucoup plus près physiquement et je pense que lui l'est. Franck, Sylvain, Michel, Jean-Pierre. Non mais c'est vrai que c'était le feu. Moi j'ai commenté le match sur l'antenne et les 3 buts, ce qu'il faut mettre en avant aussi c'est la qualité technique de chaque geste, en fait. C'est-à-dire que sur le premier, il y a une marée de jambes et il arrive à la mettre sur le centre de Frankowski. Le deuxième, le coup de tête, la course croisée et le coup de tête décroisé, moi, ça m'a fait penser à Cavani, à sa grande période parisienne. D'ailleurs, à l'antenne, j'ai dit que c'était une tête cavaniesque. Et le troisième but, pour moi, il est totalement délirant. Ouais. C'est un long ballon qui vient de loin, c'est-à-dire que si vous avez déjà joué au foot, réussir un contrôle aérien, c'est pas évident. Le ballon, il arrive dans votre dos et il lui colle à la semelle extérieure du pied et derrière, il a la lucidité, la rapidité d'exécution de faire un lob pour tromper Bizot. Moi, sincèrement, notamment sur le troisième, j'étais sur le cul. La grande classe. Héloïse. Hello. C'est ouais.
Tout a été dit plus ou moins. C'est en fait, il a beaucoup bénéficié aussi du travail un peu plus, on va dire, de l'ombre de Luis Openda, qui a beaucoup étiré la défense, qui a beaucoup attiré les joueurs vers lui. Donc il a eu un petit peu plus d'espace pour s'engouffrer. Mais c'est vrai qu'il joue extrêmement bien les coups. Le troisième but, sincèrement, je sais très bien que Florence Otoka est un excellent attaquant, mais le contrôle comme ça dans la profondeur, je pensais pas qu'il le maîtrisait du tout, et de voir que voilà, avec un gardien qui est déjà qui est même pas à un mètre de lui quand il contrôle, de voir qu'il a encore l'intelligence de lober alors qu'on est en fin de rencontre, sincèrement c'est somptueux, et c'est bien, parce que voilà, c'est un garçon qui doit avoir 30-31 ans, et Franquez en avait parlé en conf de presse, il a dit que voilà, c'est un garçon qui continue de progresser, même s'il est plus proche de la fin que du début de sa carrière, et c'est un garçon qui a soif d'apprendre, donc c'est toujours plaisant de voir que ça se concrétise, et que bah enfin il fait tomber cette vieille statistique qui est remontée d'il y a 12 ans de Maolida, donc voilà, que ce soit Sotoka qui l'attrape maintenant, c'est top, et c'est mérité, je pense. Tiens, on a un message là de Maxou Pixou 62 et la passe de Fofana en espérant qu'il ne va pas au Milan AC. Alors ouais, on va en parler là quelques secondes avec ce journaliste qui a tweeté, un journaliste italien apparemment. C'est quoi l'histoire? Il a questionné Franck Hez sur un possible transfert au Milan AC de Seco Fofana. Oui, mais comme là depuis hier aussi, on t'annonce Fofana à Arsenal. Voilà, ce journaliste italien, il était là, il a fait son métier, il avait cette rumeur et il a posé une question à Franquez et une question à Fofana. Point barre. Et les deux, comme sur toutes les rumeurs depuis une longue semaine, ont bossé en touche. Enfin, j'ai pas compris pourquoi c'est monté en puissance. Le gars a juste fait son boulot, en fait. Et comme nous, parfois, on interroge. Ben moi personnellement, en conférence de presse, j'ai interrogé Franquez sur toutes les rumeurs qui entouraient le présent et l'avenir de Ganago. Et j'ai pas compris pourquoi derrière on est tous tombés sur ce journaliste. Fait son taf, le gars. Pour en revenir à Flo Sotoka, son dernier triplé, c'était en DH il y a 15 ans. donc je te dis pas comment il a dû se coucher avec des étoiles plein la tête, quoi, et plein les yeux. Ça devait être assez incroyable. Je pense qu'il a pas dû beaucoup dormir. Hein. Il a dû peiner à trouver le sommeil, le Flo. Je lui ai envoyé un petit message et tout. Il m'a répondu. Il m'a dit qu'il était aux anges et que dans une ambiance comme ça, c'était un de ses plus beaux jours, un des plus beaux jours de sa vie. Donc, je suis très, très content. Il l'aurait d'autant plus battu s'il avait marqué le penalty en plus. Hein. En plus. On va en parler. On va en parler, bien évidemment. Julien qui fait, je ne sais pas ce que vous pensez, mais j'ai l'impression que Flo Sotoka progresse d'année en année. Depuis qu'il est chez nous, offensivement et défensivement, il a été monstrueux. C'est vrai que Jean-Guy, on a l'impression, voilà, c'est ce que disait Elo, 31 ans, mais il progresse. Il a démarré tard sa carrière pro. Mais c'est clair qu'on va être honnête, on ne l'attendait pas à ce niveau technique. Alors c'est sûr que c'est sur un seul match, mais comme l'a dit Héloïse, les gestes qu'il a réalisés sur ce match-là, c'est un panel plus qu'intéressant. Moi j'étais un besogneux entre guillemets, et lui on l'a toujours un peu considéré comme quelqu'un avec des valeurs ou un état d'esprit remarquable, et là il a montré sur ce match là et j'espère que ça va continuer, qu'il était capable d'avoir une maîtrise technique très intéressante. Alors avant de parler des fameux pénaltys, d'ouvrir notre dossier arbitrage, on va vous allez utiliser vos petites ardoises puisque vous allez donc noter de 1 à 10 la prestation de Florian Sotoka. Vous notez ça, 1 à 10, attention, c'est parti. Alors, Jean-Guy Wallem, tu le notes combien, Flo Sotoka? 9, mets bien ton ardoise devant, qu'on voit. L'autre côté. Attends, producteur de télé, toi. Hein. Bon, Jean-Guy, on a vu de manière, c'est 9. 9 sur 10 pour Jean-Guy. Voilà, 9 sur 10. Hello. Bah, la même que Jean-Guy, je suis à 9 aussi. Ah, j'aime bien, elle a une grosse ardoise, elle écrit petit. Au début, je voulais tenter le 9 à l'envers pour que ça passe à la caméra, puis j'ai fait un truc complètement foireux, donc je l'ai refait à l'arrache. Donc 9 sur 10, également la même note que Jean-Guy. Est-ce que Sylvain Charlet a mis 9 sur 10 à Flo Sotoka? Ah bah voilà, la même. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, ouais, 9 sur 10. Sotoka, un super joueur de club à l'image de Jean-Guy et de Captain Sico, Hervé Aurier. Qui nous envoie ce message. Je pense que s'il met le quatrième, s'il marque le penalty, je pense qu'il aurait eu aussi 10 dans le journal de l'équipe. Vous savez que les notes dans l'équipe, c'est toujours un peu une référence. Et ils sont assez rares, les joueurs, à obtenir 10. Je pense que dernièrement, Mbappé a eu un 10, je crois, avec l'équipe. Mm-hmm. S'il met le penalty, pour moi, il a 10. Bah, je pense que
La nouvelle référence, ça sera les notes de lanceau.com, je te le dis. Non, mais je suis d'accord avec Sylvain. Vraiment, pourquoi est-ce qu'on met 9? Je pense qu'on est tous d'accord tous les trois. C'est que vraiment, on ne peut pas mettre 10 juste à cause de ce pénalty loupé. Le reste, c'est impeccable. Il n'y a rien à redire. Quoi, parce que même si voilà, il rate ce pénalty en première mi-temps, tu vois, il aurait pu vraiment se démobiliser, se dire purée, à la limite, j'aurais dû le laisser à, je sais pas, à Loïs, j'aurais dû faire ci, faire ça. Non, au contraire, tu vois, il a continué à faire son match, à pousser encore un peu plus. Donc vraiment, ça démontre que c'est un gars qui en a vraiment dans le crâne et c'est très, très bien. Neuf, je pense que c'était une très bonne note. Il y a Géomel 12 qui fait Alban Lamont contre Lamont. Le PSG. Lafont, parce que je me disais, Alban Lamont, c'est son cousin. Alban ouais, Lamont contre le PSG a eu 10. 10 contre le PSG, ah ouais. Ah ouais. J'essaie de regarder ça. Bon, on y va, on va parler de cette fameuse séquence penalty. Ah. On va l'ouvrir, cette séquence penalty, et on va accueillir notre alors Franck n'est pas là, vous savez quoi, Franck n'est pas là. Donc il est parti. Je pense qu'il a eu peur de notre référent, notre consultant référent arbitre officiel de Lance Foot, il sera avec nous tout au long de la saison et il viendra comme ça intervenir pour nous expliquer, pour nous donner son point de vue, son coup d'œil de l'arbitrage. Regardez, il est là. Ah, il est beau, il est en vacances. Rémi Serpeau, comment ça va, Rémi? Salut, Rémi. Ah, bah, ça commence fort. Ah, non, mais je veux dire, on est tous au taquet. Mais voilà, on devrait t'entendre. Ça va, Rémi? Ah, bah non, on l'entend pas. Ah, là, on t'entend très bien. On t'entend bien. Je vais faire au mieux. Voilà, on t'entend bien. Rémi, bienvenue. T'es en vacances, là? Je suis au Portugal. Je cherchais Jean-Guy, je ne l'ai pas trouvé. Hey, Jean-Guy, il bosse. Hein. Jean-Guy, il est à Paris, il bosse. Je vois. On y va avec donc cette fameuse séquence, les amis, de penalty. Rémi, on voudrait ton coup d'œil. J'ai vu que ça avait un peu chauffé là sur les réseaux sociaux. Y a-t-il, alors première question que je vous pose à tous, y a-t-il déjà penalty sur Seko Fofana? Oui ou non? Pour moi, oui, il y a une poussette d'Honora. Et okay. Je dirais même qu'il y a un pied qui traîne là où il ne devrait pas au sol. Jean-Guy, tu es d'accord avec tes collègues? Ah bah Jean-Guy, il a coupé son aussi. Carnage ce soir. Ah ouais, non, mais c'est le carnage. Ah non, Jean-Guy, il n'a pas coupé son, mais on ne l'entend pas. Reconnecte-toi, mon Jean-Guy, s'il te plaît. Reconnecte-toi. Rémi, c'est carnage ce soir. Techniquement, c'est un carnage. Rémi, il y a pénalty indiscutable? Oui, ouais, il y a pénalty indiscutable. Faute d'Honora, charge dans le dos, elle est plutôt claire. Je perçois moi un geste de frustration suite au geste technique de Fofana. C'est extrêmement lisible. J'appelle ça des fautes moches et stupides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus-value à faire la faute. Le joueur n'a rien à gagner, d'autant plus que Fofana avait perdu le ballon. Donc il y a sans conteste pénalty là-dessus. Est-ce qu'il fallait, parce que c'est ça qui fait débat, est-ce qu'il fallait faire retirer le pénalty de Flo Sotoka ou pas, Rémi? Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le moment, personne ne se pose la question. Quand le pénalty est loupé, personne ne se pose la question de est-ce qu'il y a eu problème ou pas problème. C'est la situation du deuxième pénalty qui nous amène à réévaluer ce premier pénalty. Et quand on regarde les images arrêtées, oui, factuellement, il aurait fallu retirer le pénalty puisque un joueur brestois était 1m50 dans la surface avant que Sotoka ait tiré le ballon. Donc il aurait fallu retirer ce pénalty, mais encore une fois, sur le moment, personne réagit parce que sur ce type d'action, les pénaltys, on les laisse défiler, quoi. Mais ouais, c'est ça en fait qui m'a perturbé. Moi, sur le pénalty retiré par Del Castillo, je suis focalisé sur la position de Samba sur sa ligne. Et donc, je ne pense pas du tout à cette notion de joueur qui ne peut pas entrer dans la surface. Parce que non, moi, j'ai tellement été focalisé de ces derniers mois sur ces gardiens qu'on fustigeait parce qu'ils n'avaient pas les deux pieds sur la ligne, que j'ai compris seulement à la fin du match pourquoi on avait retiré le pénalty. J'en ai parlé avec Rémi. Et tu te dis, mais voilà, le souci, c'est que ça manque de justesse d'analyse à chaque fois, en fait. Et tu te dis, dans la VAR, il s'est passé quoi, en fait? Qu'ont fait les gars? Comment ils ont pu voir ça sur le deuxième et ne pas le voir sur le premier? Ça veut dire qu'ils ont checké, de manière différente. Là, en fait, c'est ce que j'exprimais aussi. Je pense qu'ils se sont fait... Ils ont été pris au piège, en fait. Hein. Le premier pénalty, encore une fois, peut-être qu'ils l'ont vu, mais qu'ils se sont dit, bon, allez,
ça arrive couramment, on peut laisser passer. Enfin, je veux dire, des joueurs qui rentrent dans la surface au moment du botté, si on prend chaque pénalty, on pourrait en faire retirer énormément. Donc là, ils se sont dit, c'est bon, ça passe. Mais le problème qui arrive derrière, c'est que tu as le pénalty pour Brest, et là, il y a sujet. Parce que certes, Medina est comme le Brestois à 1m50 devant, mais c'est Medina qui récupère le ballon après la parade de Samba. Et donc, du coup, ça force les arbitres, VAR, à prendre la décision. Parce que Medina, en reprenant ce ballon, empêche peut-être un Brestois de reprendre aussi le ballon et de marquer. Donc là, ils ont été pris au piège parce que là, ils étaient obligés de réagir. Le fait que Medina touche le ballon alors même qu'il était rentré dans la surface, ça pousse les arbitres à réagir. Je pense que si Medina ne touche pas le ballon ou s'il s'en bat, met le ballon en corner, fin du game, il n'y a pas d'intervention VAR, hein, comme en première période. Héloïse. Donc c'est ça, en fait, RL a simplement la chance, entre guillemets, de ne pas récupérer le ballon sur l'arrêt de Bizot, en fait, c'est simplement ça. C'est mon avis, hein. j'ai pas eu les arbitres en ligne haute, c'est mon avis, c'est la lecture que j'en ai. Maintenant, ça nécessite quand même une clarification, parce que est-ce que maintenant, nous allons demander à la VAR, est-ce que c'est ce que le foot attend, que la VAR, systématiquement sur les pénaltys, elle regarde au millimètre près s'il y a des joueurs qui rentrent dans la surface, comme elle va regarder au millimètre près si le gardien il a au moins un pied sur la ligne? Est-ce que c'est ça la règle, hein. Je le rappelle, Sylvain, tu parlais du gardien, le gardien doit toujours avoir au minimum un pied sur la ligne au moment du tir. Mais est-ce qu'on demande, est-ce qu'on attend au niveau du football qu'on regarde à la millimètre près si tout le monde respecte la règle, ou est-ce qu'on garde cette latitude, mais au risque d'avoir des situations comme hier qui peuvent générer de la frustration parce que tu dis deux poids deux mesures, alors qu'en réalité c'est pas forcément deux poids deux mesures, c'est simplement ils se sont fait prendre au piège. Mais tu vois ce que tu dis là, hyper intéressant. Excuse-moi Cyril, mais par exemple sur le hors-jeu, sur la position de hors-jeu qui n'existe pas finalement pour Frankowski. Sur le centre qui amène le premier but de Sotoka, la VAR conforte le fait qu'il n'y a pas de position de hors-jeu. Ça se joue au centimètre près, au millimètre près. Donc moi, si sur le hors-jeu, on est au millimètre, au centimètre près, pourquoi sur les positions du gardien et sur les joueurs dans la surface de réparation sur les pénaltys, on n'est pas sur cette même notion, au centimètre, au millimètre près? Voilà. Pour moi, au bout d'un moment, il faut être cohérent. Si on juge le hors-jeu de manière si précise, soyons précis partout. Jean-Guy, est-ce que ça marche ton son ou pas? J'espère, oui. Ah, ça y est, on t'entend, mon Jean-Guy. J'ai touché à rien, écoute, mon ami Cyril, mais... Vas-y, moi, mon Jean-Guy. Moi, ce qui me gave un peu, on va clôturer là-dessus, parce que vous avez tout dit, hein, moi, c'est cette règle, avant, on disait toujours à l'appréciation de l'arbitre, et il n'y en a plus. Il n'y en a plus d'appréciation de l'arbitre, donc j'ai encore parlé là dans les matchs de préparation. Bon, il y a un règlement, il y a un alinéa 12, règlement 3, enfin bon, ça me gave. Donc aujourd'hui, on dénature de plus en plus le football, quoi. Donc bon, c'est la modernité, ok, il n'y a pas de souci. Je rigolais tout à l'heure parce que j'étais acheté une craie, on m'a pris pour un fou, hein. La craie pour l'ardoise, bah oui, forcément. On en a parlé en off. La craie pour l'ardoise, les gens ils m'ont dit, mais vous avez dormi pendant 20 ans, monsieur, ou... j'ai besoin d'une craie parce que bon, j'ai un ami qui me demande d'écrire des notes sur une ardoise. Bon, voilà, je retourne pas à l'école, mais je te jure, mais tu vois, et c'est la modernité, j'adore. Enfin, je veux dire, la plus-value des nouvelles technologies, mais à un moment donné, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Tiens, on a qui? On a Damien qui fait, par contre, le pénalty est très sévère contre Lens. Bah non. Pour moi, c'est le même qu'Honora. Hein. C'est une faute moche et stupide. C'est-à-dire la charge dans le dos, d'Anso, il peut s'en passer. Elle est là, elle est bien là. Il met les mains, on voit qu'il met les mains sur le joueur. Les images permettent pas de le voir, mais à vitesse réelle, il y a la charge dans le dos qui est là, donc la faute est là. Et l'arbitre a été cohérent puisque c'est la même faute qu'il a sifflée contre Honora. Bon, merci beaucoup Rémi de ton intervention. Passe bien, mange bien là-bas. Qu'est-ce qu'on mange de bien au Portugal là? Qu'est-ce que... Ah, attends, bacalao, c'est les... Les bacalao. La morue. C'est la morue. Fais attention aux morues là-bas, attention aux morues quand même. Jean-Guy, c'est quoi les bacalao là? Je sais pas quoi là. C'est quoi? Ben, c'est ça, je viens de le dire. Ah, c'est la morue. Ah, la morue. Bon, bah, bonne morue à toi. Je reviens juste sur un dernier point parce que c'était en notre faveur, mais ça aurait pu être en notre défaveur. J'ai vu que les Brestois râlaient sur la parade de Medina et la fameuse main de Medina. Ah oui, intéressant.
Voilà, rappelle, c'est un centre. Rappelle que c'est juste un centre. Medina défend et en taclant, il pose quasiment la main au sol. Et la balle, dans un second temps, je crois qu'elle touche sa cuisse et après, elle va sur sa main. Après, rebond. Ouais, alors il y a deux choses. Il y a le fait que ça touche une partie du corps avant que ça touche sa main. Et il y a le fait que sa main est en position naturelle. On parle de position naturelle du bras. Là, en l'occurrence, il ne peut pas se couper les bras, Medina. Donc, l'arbitre a pris la bonne décision. Et de manière générale, l'arbitre d'hier, Thomas Léonard, était extrêmement cohérent dans sa décision et dans sa gestion disciplinaire. Ce qui va porter à débat, c'est la discussion que nous avons eue, hein. C'est l'utilisation de la VAR en particulier sur cette situation. Mais reste tranquille, ça marche pas. La dernière fois que j'ai vu Franck, il a pris rouge, donc je pense qu'il a vraiment peur. Ah non, mais là, je pense que c'est moi qui vais lui mettre rouge, hein, parce que ça rouge, marche hein, parce que ça marche pas. Quoi, ça marche pas? Tu n'entends pas? Non. C'est une catastrophe. Franck, essaye juste de baisser ta sortie. Baisse ta sortie son pour voir ce que tu fais. Il est parti de lui-même. Francky, alors attends. Voilà. Je te coupe le son. Attends, je vais te couper le son. Voilà. Là, je t'ai coupé le son, Franck. Je prends 20 secondes pour t'expliquer, mon Francky. Il faut absolument que le son de l'émission ne sorte pas de ton ordinateur en mode haut-parleur. Sinon, ça passe dans le micro et ça s'appelle une boucle. Ça fait boucle. Donc, il faut que soit tu mets un casque, soit tu mets, je sais pas, ou soit tu mets rien et... Mais... Ah non, il a rien. Bon, écoute, mon Francky, tu sais, je te libère, mon Francky, mais par contre, pour le fun, je vais te mettre un petit carton rouge parce que Rémi, il est là. Ah, tu peux dire un mot, vas-y, on se tait. Vous m'entendez, là? Juste pour les pénaltys, Rémi. Pourquoi un est tiré et pas l'autre? Alors que les gardiens sont avancés de la même façon. Et qu'il y a deux joueurs qui sont rentrés pareil. Alors c'est pas les gardiens. Rappelle, donc les gardiens étaient parfaitement bien placés. Ce qui pose question, c'est le fait qu'il y ait un joueur adverse qui rentre dans la surface. Alors les deux auraient dû normalement être retirés, mais ce qui a fait la différence, là où les arbitres VAR en première période ont laissé passer, ils n'ont pas pu laisser passer en seconde période parce que Medina, qui était rentré 1m50 avant le tir, a retouché le ballon. Et comme il a touché le ballon, ça a forcé les arbitres VAR à intervenir. Et donc, ça les a mis un petit peu en porte-à-faux par rapport à l'absence de décision qu'ils ont prise sur le premier pénalty de Sotoka où ils avaient laissé passer. Du coup, le débat, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, porte sur est-ce qu'il faut tout signaler ou est-ce qu'on garde une latitude ? Franck. C'est pas possible. Attends. On est dans la merde. Il n'y a que nous, en fait, qui avons été pénalisés. Bon, remarque, à la fin du match, on gagne. Donc, c'est pas trop grave, ça va passer aux oubliettes. Mais si ça se répète alors qu'il y a 0-0 et puis on se prend un contre à la dernière minute, ça va pas être gagné. Ah bah là, le... Francky, je t'embrasse. Au revoir, mon Francky. Au revoir, on t'embrasse. Et ça, je peux vous dire un truc. Et sans déconner, je pense que c'est collector. Là. Jean-Guy, est-ce que tu peux... Jean-Guy, est-ce que tu peux mettre ta tête à l'endroit, s'il te plaît, mon poulet? Ah ben, on l'entend plus non plus, Jean-Guy. Reconnecte-toi, mon Jean-Guy. Non, mais je vais vous dire un truc. La saison 3... Cette émission est géniale. Oh, j'en ai mal au crâne. Et bienvenue. Il devient fou, Jean-Guy. Jean-Guy, reconnecte-toi, mon poulet. Attends, Pierre qui fait lance-foot sans les petits problèmes, c'est pas lance-foot. Pas là, c'est des gros problèmes. Merci mon Rémi, passe de belles vacances. Et merci puis on te retrouve très bientôt, bien évidemment, dès qu'il y a un problème d'arbitrage. Et j'ai envie de te dire la semaine prochaine, puisqu'il y a des problèmes d'arbitrage toutes les semaines. Salut mon ami, bonnes vacances. Merci pour ton éclairage, Rémi, c'est top. Ciao. Écoutez, on n'est plus que 3. Bah écoute, c'est très bien. On a démarré à 5, voire 6, et maintenant on est 3. Jean-Guy va revenir. Bon, on passe cette histoire de penalty. Un mot sur déjà en règle générale, le Racing a réussi son entrée. C'est important hein, de gagner le premier match comme ça de la saison. En plus, à domicile, avec une ambiance extraordinaire, parce qu'il faut le dire, guichet fermé. On avait l'impression que c'était un match européen, que c'était complètement fou, quoi. Fou furieux. Mais ça, maintenant, on y a droit à chaque fois.
Ouais. C'est, enfin, quand tu vas à Bollard, tu vas au spectacle, et puis tu arrives avant, tu arrives tôt, tu veux en profiter. Et puis limite, tu restes bien après pour chanter avec les supporters en dehors des tribunes. Non, mais voilà, c'est. On vit, les supporters vivent des moments exceptionnels et ils ont tellement été sevrés de tout cela pendant des années que je pense que maintenant, dès qu'il y a un match qui se présente, bah, tout le monde se rue à Bollard. Et là, tu en as certains qui se disent waouh, va falloir attendre le prochain, c'est dans trois semaines ouais, avant le prochain match. Mais voilà, c'est un vrai truc, c'est un vrai rendez-vous. Sur le terrain, les joueurs ont été au rendez-vous. Jean-Guy, je disais à l'instant, c'est super important de démarrer la saison, de gagner son premier match, qui plus est à domicile, ça met en confiance. Oui, forcément, mais c'est poil à gratter hein, qui m'a mis la tête à l'envers. Hein, le queue de rue de merde, hein, parce que j'étais à l'endroit. Hein, et mon sort, c'est lui qui m'a foutu en l'air, hein, je te le dis. Je sais pas où il est parti, ce babache, là, mais bon, bref. Mais, l'émission devient insultante. Ben non, ben, et j'ai eu l'impression que je radotais. L'arbitre, là, il a répété la même chose pour Franck. Oui, fait, ouais, c'est ça. On est chez les fous, là. Mais bon, non, mais gagner son premier match, d'après ce que j'ai vu, je ne sais plus où je l'ai lu, mais je crois que ça fait 5 ou 6 ans qu'ils n'avaient pas gagné leur premier match, je pense. Ils ont fait 5 nuls et, ou je ne sais pas, une défaite. Je crois que sur les premiers matchs, ils avaient mal entamé leur saison depuis 5-6 ans, c'est pas ça? Sur les deux dernières saisons en Ligue 1, moi j'ai le souvenir, il y avait eu 1-1 à Rennes la saison dernière avec une défense totalement remaniée. Ils n'ont pas gagné leurs 5 ou 6 premiers voilà. matchs de la saison des 6 ans dernière. Et la semaine avant, la saison avant, tu perds à Nice. Tu fais un bon match, perds à Nice. Regarde, voilà. Ça fait 5-6 saisons qu'ils n'ont pas gagné le premier match. Donc ça, c'est une bonne augure. Comme tu l'as dit, alors après, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas fait une superbe saison, mais on espère que ça va durer. Mais bon, après, on en parlera peut-être, mais on a l'impression de revoir un peu des scénarios de la saison dernière. Un jeu de l'avant, derrière, est-ce qu'il y a une déconcentration ou pas? Mais bon, le score derrière a été réduit par les Brestois. Donc, on sait que c'est un jeu bon, très, très énergivore, on le sait très bien. Donc, et derrière, bon, ils prennent quand même 2 buts et les 10 dernières minutes sont un peu en souffrance, quoi. Alors justement, on a tremblé sur les derniers instants. Hein. Avec la balle de 3-3 là, je peux vous dire qu'on a serré les fesses. Hein. Après c'est vrai qu'il faut le mettre en avant, mais après il faut pas oublier que dans la globalité, il y a eu 20 premières minutes un peu équilibrées. Après on s'est vraiment pris le dessus et j'entends encore certains joueurs brestois et notamment je sais plus lequel en conférence de presse qui disaient non mais sincèrement c'est un miracle, hein. 3-2 pour nous c'est un miracle, on s'en sort bien parce que dans le jeu on n'a rien proposé et si on a une balle de 3-3. C'est vraiment parce que les faits ont eu un autre avantage. C'est vrai que je trouve qu'à 3-0, mais c'est naturel, les Lensois sont relâchés un peu derrière, bim, ils prennent le but. C'est un CSC d'Anso, c'est quand même pas de bol. Après, la faute, elle est stupide, il peut l'éviter d'Anso. Et puis forcément, 3-2, le temps additionnel, dans la tête, bah, tu te recroquevilles. Pour moi, les entrants n'ont pas apporté de stabilité et un peu de sérénité. Et voilà, tu t'es mis en danger. Mais il faut surtout retenir dans sa globalité. Que, allez, comme le disait Aize, Lens a maîtrisé le match à 75%. Alors, on va, avant de parler des remplaçants là, que tu citais, qui n'ont pas vraiment répondu présent, on va s'attarder. Donc, on a fait, voilà, on a tiré le tapis rouge à Flo Sotoka en tout début d'émission avec son triplé et puis le match, donc la prestation XXL qu'il a fait. J'aimerais qu'on s'arrête sur quelques joueurs qui ont marqué, qui ont crevé un peu l'écran. Déjà, Loïs Openda. Héloïse, vous allez prendre la craie, bien évidemment, c'est parti. Loïs Openda, la prestation de Loïs Openda, vous me prenez votre petite ardoise et la craie. Combien vous notez sur 10 la prestation de notre Belge, Loïs Openda? On peut mettre des virgules ou pas? Non, pas de virgule. Vous me mettez un compte rond de 1 à 10. Héloïse, elle est juste à côté de moi, donc c'est parti, Héloïse. Alors, elle a mis 7. Et 7, elle a écrit à l'envers, 7. Je sais pas comment je vois à l'envers. Je sais pas comment t'as fait. Alors, Jean-Guy, tu mets combien? La note de Loïs Openda? On va pas y arriver. Hein. Il est 8. 6. Non, 6. Non, 6. Ah ouais? 6. Ah ouais. Attends, tu vas nous expliquer pourquoi dans un instant. Attends. Le temps de découvrir la note de la prestation de Loïs Openda de Monsieur Sylvain Charlet. 7 sur 10. Comme... Héloïse. Alors, Jean-Guy, pourquoi 6 sur 10? Parce que
Excusez-moi, je suis dans ma chambre d'hôtel, j'ai pas d'éponge pour essuyer. Donc... Crash. Crash. Voilà, exactement. Bah, je peux pas. Si j'avais plus eu de son pendant un moment, j'aurais pu cracher, mais là j'ai du son. Non. Alors pourquoi? Parce que je trouve qu'il a pas été efficace. Voilà pourquoi je mets 6. Il fait beaucoup d'appels en profondeur, comme l'a dit Louise précédemment. Il a permis à Sotoka forcément d'élargir le bloc. Il a permis d'élargir le bloc adverse, mais je trouve que dans le nombre de situations qu'il a eu, il aurait pu scorer. Donc je demande d'avoir plus par rapport au nombre de situations qu'il a eu. Tiens, bien évidemment, vous qui nous regardez, notez Luis Openda sur les commentaires. Vous laissez votre commentaire avec la note sur 10 et on ira faire un petit tour dans les secondes qui suivent. Là, on peut dire que déjà, Jonard, il met Luis Openda 6 pour moi. Quelques mauvais choix qui auraient permis de marquer plus. Héloïse, 7 sur 10 pour toi. Je voulais rebondir justement sur ce que disait Jean-Guy. En fait, Jean-Guy parlait des occasions qu'il n'a pas forcément concrétisées, mais je voulais quand même souligner que les occasions qu'il n'a pas concrétisées sont les occasions qu'il s'est lui-même créées. C'est-à-dire que c'est... Il récupère des fois des ballons qui sont en bout de ligne, qui sont donnés un petit peu comme on peut, et puis il est entouré de 3-4 défenseurs, c'est pas évident. Et au final, en fait, j'ai trouvé qu'il avait... Il avait toujours le petit geste ou le petit coup de rein pour réussir à se mettre dans une position avantageuse, sans concrétiser, ça je suis totalement d'accord, mais les situations, je tenais quand même à préciser que c'est vraiment lui qui se les crée, c'est lui qui s'oriente correctement, c'est lui qui fait le dribble juste pour passer le défenseur, et c'est pour ça que c'est comme ça que je veux justifier mon set, c'est que oui, il n'a pas été efficace, il a pourtant tenté un petit peu, mais voilà, je l'ai trouvé vraiment très intéressant dans les petits périmètres. Là où c'est censé être un petit peu son point faible de ce que j'ai su. Donc là-dessus, je trouve que c'est quand même assez intéressant et que malgré tout, voilà, il a réalisé une bonne partie. Pardon. Sylvain, 7 sur 10. Moi, je suis sur la même lignée. Je trouve que Jean-Guy est un peu sévère. Parce que, alors oui, je suis d'accord avec Jean-Guy. C'est pour ça que je ne lui mets pas plus. Il a pas été efficace. Mais j'ai trouvé que pour un joueur qui vient à peine d'arriver au Racing, qui découvre ses coéquipiers, qui découvre un club, qui découvre un stade, il est jeune aussi, je trouve, et il a la pression de son transfert, 10 millions d'euros. Je trouve qu'il a été juste, il a fait beaucoup de choix justes. Oui, il a manqué de réalisme, mais tous ses choix étaient bons. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut frapper, mais la meilleure solution, c'est ce qu'il a fait, c'est le crochet intérieur, la feinte et la passe. Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai eu mes 7, parce que j'ai trouvé que déjà, il avait fait preuve de beaucoup de justesse. Moi, si tu me demandes si ce garçon a fait un match intéressant, je vais te dire oui. Mais si tu me demandes de le noter par rapport au 9 de Sotoka, je mets 6. Ouais. Bah, moi, je te trouve sévère. Parce que je trouve qu'il a, en plus, il a été complémentaire en fait, de son. À un moment donné, si tu veux, un attaquant, on lui demande si c'est pas décisif au but. C'est ça qu'on demande à un attaquant. Donc, par rapport aux notes, encore une fois, je ne te dis pas qu'il a fait un mauvais match, je suis loin de là. C'est un 6 plus si tu veux, j'aurais pu mettre 6,5. C'est par rapport au 9 de Sotoka. À partir du moment où Sotoka a eu 9, je ne peux pas mettre 7 ou 8 à Openda. Bon, apparemment, là, on voit défiler pas mal de commentaires. Beaucoup de supporters disent 6. Hein. 6 sur 10, on a quelques 7, mais c'est quand même. Voilà, on a Jacques qui fait 7 sur 10. On a eu un 8, ça, c'était Priscilla. Globalement, les supporters sont plutôt d'accord avec vos notes. Même l'équipe a mis 8 pour Openda. Alors, honnêtement, je vais dire un truc. La référence des notes, la référence de notes, pour moi, c'est pas l'équipe. Hein. C'est Jean-Guy. Jean-Guy, bien évidemment. Mais moi, en plus, je vais avoir des notes. Donc, je trouve que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est dur. Que, bien sûr. Mais si tu veux, je reviens sur l'argumentation que j'ai donnée. À partir du moment où tu mets 9 à Sotoka, tu es obligé d'avoir une différence. De 3 points, même si ça me gave les notes, mais ça fait partie de l'émission maintenant. Mais si tu me demandes le contenu du match d'Openda, il est intéressant, très intéressant. Par contre, sur la note, par rapport à celle de Sotoka, il y a une différence. Ah bah, c'est clair, tu mets 9 à un mec qui a planté un triplé, tu vas pas mettre 8 à Luis Openda. Hein. Enfin, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Tiens, petite question intéressante de François. Qui nous dit comment va-t-on intégrer Buxa à ce 11 là, au 11 qu'on a vu hier, à votre avis, tiens, en 30 secondes pour répondre à François là, avant de passer à, après on s'attardera plutôt à Seko Fofana. Comment vous voyez, alors là pour répondre, Buxa, vous le voyez comment là dans ce 11?
Bah, ce sera pour moi, ce sera un joueur. Alors, autant quand tu joues avec Openda, bah, c'est un joueur qui bouge, qui se déplace énormément. Autant, moi, Buxa, alors après, il a du ballon, hein. Il a un bon pied gauche, un bon pied droit, il est droitier. Mais ce sera plus un point de fixation aussi avec Openda ou Pereira da Costa qui peuvent tourner autour de lui. Après, ce sera, pour moi, je le vois en point de fixation, entre guillemets, en neuf, un peu tour de contrôle pour imager. Mais après, c'est avec qui tu vas l'associer, comment tu vas l'associer. Ça va être vraiment intéressant de le voir. Mais moi, je le vois vraiment en neuf axial. Jean-Guy ? Bah, c'est clair que c'est un point de fixation, un garçon sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Donc forcément, il y aura des choix de la part du coach entre Pereira, Sotoka et pour faire des choix, parce qu'il pourra, à mon avis, il ne pourra pas aligner tout le monde, parce que c'est deux milieux de terrain, c'est deux pistons. Donc ça va être des choix en fonction du match, est-ce que ça sera à domicile, ouais, à l'extérieur, en fonction de l'adversaire, est-ce qu'ils vont jouer avec une défense à 3 ou à 4 derrière. Ça va être des choix et un travail qui va être effectué à l'entraînement de complémentarité, de complicité. Et puis en plus, je veux dire que ça, c'est les problèmes de riches, hein, donc on ne va pas s'en plaindre. Qu'on ait autant d'attaquants. Tu pourras varier les plaisirs, en effet. Tu pourras varier les stratégies, varier les approches, et ça te permet d'être aussi plus surprenant vis-à-vis des adversaires. Seko Fofana, comment vous avez trouvé la prestation de Seko Fofana ? Alors, il y a deux écoles. Hein. Moi, j'ai lu pas mal de commentaires sur Seko en disant c'est pas si énorme que ça, cette prestation. Il y en a qui disent que c'est un niveau de Ligue des Champions. On va noter tout de suite. Allez-y. Je pense qu'il reste encore un petit peu de place sur l'ardoise de Jean-Guy, puisqu'il ne peut pas effacer. Ça va être compliqué, mais bon. Vous notez donc la prestation de Seko Fofana. On y va. Je suis un imbécile heureux parce que j'ai un deuxième. Alors. L'émission, elle est sans filtre. On voit pas ta note, mon poulet. 7 sur 10. C'est vrai que j'ai deux endroits. Il y a ah, bah oui, t'as un recto et un verso. J'ai découvert l'ardoise en même temps. Tu vois. Héloïse de Mester, combien tu notes la prestation de monsieur Seko Fofana ? 7 sur 10, comme ton collègue Jean-Guy Wallem. Et monsieur Sylvain Charlet, la prestation. Oh, bah 7. Ok, bah, et comme quoi, vous n'êtes pas tous dans l'ans-foot pour rien, vous êtes vraiment sur la même... Je vous trouve sévère, monsieur Charlie. C'est vrai ? On a mis la même note, couillon. Simon, il note 6. Seb note 6 également sur 10. Vous notez la prestation de Fofana, supporters, vous mettez ça en commentaire. J'ai vu un 5 passer. Donc les supporters ont l'air d'être un peu plus sévères que vous. Ah, il y a Jacques qui met 8. Ah, bah, Jacques, il est en train de boire un apéro. Alors les copains, la prestation de Fofana en quelques secondes, Sylvie qui nous dit 7. Seko Fofana, grosse prestation pour toi Sylvain ? Je n'irai pas jusqu'à dire grosse prestation, c'était du Fofana cohérent dans l'entrejeu. Après il y avait aussi du monde devant lui, donc il avait moins de responsabilités offensives, enfin, il s'est moins investi offensivement peut-être que d'habitude. Au départ moi je lui aurais mis 6 parce que ça restait un match intéressant dans l'équilibre. Je lui ai mis 7 parce qu'il y a pour moi ce geste technique qui amène le penalty, le double contact dans la surface de réparation, et ça change le match parce que derrière tu as le penalty et ça accélère la donnée de la rencontre. Et vraiment pour moi sur ce geste là bah, il a montré qu'il avait de la classe. Jean-Guy, tu parlais de la passe D. Ouais, et puis moi je prends toujours l'aspect psychologique des choses, et il est quand même dans un, même s'il dit qu'il veut rester, qu'il a envie d'être à Lens, quoi. Donc je pense que l'aspect psychologique, vous en avez parlé avec ce journaliste italien, mais il y a les oreilles qui sifflent forcément, hein. Donc ce contexte psychologique, bon, on avait parlé de Klose à un moment avec l'équipe de France, il faut toujours le prendre en compte parce que ce garçon là est très sollicité. Et qu'aujourd'hui, avoir ce genre de prestation, comme l'a dit Sylvain, par rapport à un bloc bas aussi, où c'est pas facile, c'est un bouffeur d'espace, donc même s'il est capable de frapper, mais il est aussi habile dans les petits espaces, Sylvain l'a dit aussi sur le double contact. Mais moi, je prends en compte qu'avant le match, il y a des choses, la préparation du match en fait partie, et l'aspect psychologique pour moi est important, et c'est pour ça que je le trouve encore malgré tout performant, alors que dans la tête, ça doit bouillir un peu. Ouais, exact. Hello,
T'es d'accord avec Jean-Guy là-dessus hein. Ouais, bah, la passe D, sensationnelle. Le penalty provoqué, j'étais de ce côté-là du but avec mon petit appareil photo et j'ai pas réussi à prendre une photo du moment tellement ça allait très rapidement. Donc, non, c'est fou et j'ai bien aimé aussi, on en a pas parlé, mais les quelques fois où Brice Samba a tenté d'allonger un petit peu quand le bloc brestois était haut, c'était souvent lui qui était là à la réception et en une touche de balle, il était capable de distiller à droite à gauche. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça vachement intelligent dans le jeu d'être altruiste à ce point, parce que voilà, on l'a souvent vu plus porter le ballon que ça, en tout cas je trouve sur ce match. Et là, il a été assez altruiste, il a levé un petit peu la tête pour voir qui était mieux placé, qui avait lancé la course, qui faisait l'appel et tout. Donc c'est un très bon set pour ce match-là pour Seco. Ouais. On va trembler hein, jusqu'à la fermeture, jusqu'à la dernière minute de la fermeture du mercato. Hein. Avec Seko Fofana, parce que s'il continue à faire des prestations comme ça, déjà qu'il était bien repéré, mais là malheureusement, à votre avis, je vous pose la question pratiquement à chaque fois, à votre avis, est-ce qu'il va rester Seko ou il peut accepter au dernier moment? Non, vous écrivez pas, vous écrivez pas. Jean-Guy, il peut plus écrire, il n'y a plus de place. Vous allez me dire que ça dépend de l'offre, forcément. Ça dépend de l'offre, ça dépend le club. Timing. Ouais. Ouais, et puis timing. Moi, j'ai entendu que vous parliez de. Je ne sais plus de quel joueur, hein, j'avais regardé une émission là, dernièrement, parce que je vous suis quand même si je n'étais pas présent. Vous avez parlé qu'il y avait une somme. Bassett, c'est ça ? Il n'y avait pas 10 millions qui étaient possibles pour quelqu'un ? Pour un joueur, là ? Pour acheter ou vendre ? Non, acheter. Acheter un milieu, 10 millions ? Non. Non, pas forcément un milieu, mais on n'a pas proposé un joueur là pour qu'il vienne sur Lens pour 10 millions. Enfin, je ne sais pas, il me semble que j'ai vu ça. Parce que je me disais que cette somme-là, Fofana, on aurait peut-être besoin pour rester. Hein. Voilà. Ouais. Bah écoute, moi, après, c'est clair que si tu as un club comme le Milan qui vient vraiment à la porte, si c'est pas de l'intox, si Milan passe à l'action, ça va être très chaud. Parce que forcément, c'est pas. Tu vois? Ça va être compliqué, mais bon. Je comprends pas que Paris, alors même s'ils ont pris Vitinha et tout, je pense que Paredes, à mon avis, ça va plus rester. Herrera, il est peut-être déjà parti parce que ils ont préféré Sanchez. Ouais, t'as raison, Sylvain, mais c'est vrai. Tu sais, je vois pas pourquoi PSG n'a pas mis, je crois qu'à 40, ça sort, non? Bah, parce que pour. Moi, c'est l'argument que je développe à chaque fois, c'est que dans l'avant-dernier geste, alors même s'il a des très belles stats la saison dernière, pour moi, pour un milieu de terrain, il doit être plus décisif, notamment dans la passe. Et moi, parfois, je trouve un peu brouillon. T'as pas besoin de finisseur, il y a que ça. Mais il y aura pas de place pour lui. Il y aura pas de place pour lui parce que regarde à Lens, il joue déjà dans un rôle. Il est quasiment en numéro 10, 9,5 parfois. À Paris, tu vas le mettre où? À Paris, il va jouer contre emploi. En fait, il va devoir jouer plus bas. Alors, même si tu vas me faire mentir en me disant « Regarde ce que fait Vitinha aujourd'hui. » Mais j'attends de voir. Après, pour moi, Fofana, il n'a pas la qualité technique de Vitinha. Il dégage beaucoup de choses. Paris, va avoir des objectifs de Champions League. Le championnat, on sait, il va avoir des objectifs de Champions League. Ils vont avoir besoin de faire tourner à un moment donné. Donc, ils n'ont pris que des mecs plus techniques que Fofana. Ils ont pris Ruiz de Naples, ou ils vont prendre Ruiz de Naples dans les heures qui viennent. Renato Sanchez, c'est box-to-box, c'est plus technique que Fofana. Vitinha, c'est plus technique. Ouais, Renato Sanchez, il se blesse tous les 3 mois. Ouais, peut-être, mais c'est, pour moi, c'est plus fort. Un Renato à 100%, c'est plus fort qu'un Fofana à 100%. Ouais, je ne suis pas forcément d'accord. Mais bon, ça, c'est un autre débat, on n'a pas le temps. Remets-toi la tête à l'endroit, mon Jean-Guy. Jean-Guy, on t'entend plus non plus. Ah bah c'est bien, ça recommence. Reconnecte-toi, mon poulet. Florent qui fait à Lens, Seco est meneur exclusif. C'est le leader incontesté à Paris avec les grosses gueules qu'ils ont. Il pourra pas avoir une si belle place. Eh bien, mais avec son style, avec son vocabulaire, je trouve qu'il a bien résumé les choses. Un petit mot tiens sur le petit prince là, bah tiens, hello, puisque t'es en plein écran, hello, ton petit protégé, la Pereira da Costa, qui a été pas très peu influent, puis surtout un problème physique un peu dans les duels quand même. Hein. Ouais, bah ça c'est, je pense que c'est, voilà, si il s'épaissit pas au fur et à mesure de la saison, ça risque d'être un peu compliqué contre des équipes qui jouent un peu dur sur l'homme. Mais ouais, c'est, il a été bien pris, il a pas été non plus très très bon. Donc voilà, le mélange des deux font que tu sors un match qui est potable, mais qui aurait pu être bien mieux.
Voilà, il faut simplement espérer que ce soit vraiment que cette perf-là qui soit un peu en dedans et qui se remette dans le jus contre Ajaccio. Mais ouais, c'est... J'ai trouvé pas perdu sur le terrain, mais en manque d'inspiration, tu sais, il trouvait pas, il avait pas le feeling pour la passe, il avait pas le feeling pour lancer, je sais pas, Openda à droite. Enfin, c'était ouais, il était pas dedans, il était pas dedans. Toi, le et pourtant, il a quelques gestes de classe. Hein. Ouais, c'est ça. Non, non, mais on sait que techniquement, c'est une vraie pépite, c'est un petit génie. Mais moi, ce qui m'inquiète, et c'est ce que dit Hello, c'est que si à chaque fois que l'adversaire lui tape un peu dessus, lui rentre dedans pour le faire déjouer, et qu'il n'arrive pas à trouver la solution, c'est ça qui peut être un peu gênant à l'avenir. Mais bon, après, avec son intelligence de jeu, je pense qu'il va trouver... Jean-Guy, on était en train de parler de la prestation de Pereira da Costa, on disait qu'il était peu influent là sur ce match, contrairement à la belle prestation en prépa là qu'il faisait. Il a fait une bonne prépa, et là, face à Brest, on l'a peu vu. Et physiquement, dans les duels, il n'est pas là, quoi. Ouais, il était dans le dur. C'est vrai que il n'a pas été aussi performant, mais je pense que face à des équipes et des blocs bas, il va peut-être être en difficulté parce qu'il y a beaucoup d'impact et il va falloir, comme disait Méjaquet, qu'il muscle son jeu parce que Valence va rencontrer de plus en plus des blocs bas. Ils savent que les pistons prennent l'espace, ils savent que si on les laisse jouer et qu'on leur laisse de la profondeur, c'est danger. Donc s'ils ne trouvent pas la parade, le choix de Francaise va être un peu plus facile avec les attaquants ou les offensifs. Pour terminer l'émission, là, il est 20h25. Pour terminer, j'aimerais qu'on ait un petit mot sur les remplaçants. Tu en as touché deux mots, là, Sylvain, en tout début d'émission. Certains remplaçants n'ont pas pesé dans le jeu, notamment Berg et Cabot. Bah même Saïd, je pense. Hein. Moi, j'ai pas eu le souvenir de l'avoir vraiment vu à son avantage. Bon, après, ils ont eu peu de temps de jeu et le match était un peu différent. Lens avait pris l'avantage et il fallait gérer. Mais voilà, je trouve que Cabot, il a perdu quelques ballons dangereux. Berg, j'ai pas vu aussi peser à ce moment-là. Ben voilà, il fallait du caractère, il fallait de la maîtrise. Et à ce moment-là, ils n'ont pas réussi à apporter ce petit supplément. Donc, pour une fois, les remplaçants n'ont pas apporté ce supplément d'âme. Prochaine journée, on se déplace, ça sera donc dimanche, hein, dimanche 14 août, coup d'envoi 15h, Ajaccio RC Lens. On va terminer avec un petit prono, tranquillement, pronostic pour cette deuxième journée de Ligue 1. Vous marquez sur votre petite ardoise V comme victoire, nul comme N et D comme défaite. Jean-Guy, t'as plus ton ardoise? Non, je vais parler, c'est plus simple pour moi. Attention, c'est parti. Sylvain. Victoire 3-1. Ouh, pas mal. Et j'y serai. Héloïse. 2-0, victoire. Jean-Guy. Match nul. Combien? 2-2. Ouh, tu vois un 2-2, toi? Ouais. Ok, après, ok. Pour la course, à mon avis, ça va être une partie de plaisir. Ah non, Ajaccio là-bas, ça va pas être simple. Et c'était pas mal Ajaccio en deuxième période face à Lyon, quand Lyon a laissé cette équipe jouer. Donc si tu leur mets la pression et si tu les empêches de jouer, ils ont un très bon milieu de terrain, ça peut le faire. Donc, ah, et puis c'est chez eux, attention, hein, chez eux, ouais, encore, ouais. C'est jamais grand simple. Retour. Grand retour, c'est jamais simple. Premier match à domicile là, de la saison. Attention au piège, 2-1 à l'arraché, ça c'est Nicolas qui balance ce petit pronostic. Bon, les amis, merci. Alors déjà, excusez-nous à tous les supporters qui êtes là, excusez-nous de ce début tonitruant, catastrophique, techniquement, avec Franck, on va régler tout ça pour lundi prochain. On se retrouve à même heure, même endroit, à partir de 19h30, bien évidemment, en live sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch. N'oubliez pas d'en parler autour de vous, parler de l'émission pour ramener le plus possible de supporters. On est déjà très nombreux, mais on ne sera jamais assez nombreux. Voilà, passez une très belle soirée. Salut Hello, salut mon Jean-Guy, salut mon Sylvain. Passez une très belle soirée, c'est parti, on vous salut, embrasse. Prenez soin de vous et allez Lens. Bonne soirée. Ciao. Ça continue. Ciao. On y va. Ciao. Ça ne s'arrête pas. C'est parti.